comprends. Zéro, 40. Je... Solomon, 3 jeux d'un, premier set. Voilà, c'est Solomon qui continue malgré tout de maintenir une bonne pression dans le match au début de cette rencontre et qui, après avoir mené 2 jeux à 1, mène maintenant 3 jeux à 1. Mais on sentait tout de même hier soir, dès le début de la partie, que Panatta était bien en jambes. Il a un fort joli mouvement de service, Adriano Panatta, et il saura dans les jeux qui vont suivre très bien s'en servir. La coordination de sa montée au filet était vraiment parfaite. Je crois que ça pourrait se montrer dans les écoles de tennis. Ah oui, il est toujours à l'affût justement d'une ouverture pour prendre le filet, Panatta. C'est ce qui le rend très dangereux. Bon, 0, 30. Il était alors 19h30 et il y avait encore beaucoup de monde autour du central, des spectateurs qui, malgré la pluie, étaient restés patients à Roland-Garros. Et ils n'ont pas eu à le regretter car le match a été splendide et nous sommes heureux de pouvoir vous le montrer aujourd'hui. Thank you.
40 à. Panata. Premier set. Voilà, Solomon ne mène plus que par 3-2 et ce sera Adriano Panatta de servir maintenant. Et on sent de plus en plus à ce moment-là, c'était donc hier, puisqu'il s'agit d'une rediffusion, on sent à ce moment-là, Pierre Darmon, que Panatta a déjà le match en main. Ben, le match en main, tout au moins, il vient de gagner là un jeu très important, car après avoir mené 15-40 sur le service de Solomon, il est revenu. On revoit ici le ralenti d'un très bon match, d'un très bon échange plus exactement. Voilà, je voudrais également vous signaler que ce matin, un Français a réalisé une très belle performance, puisque le jeune Thierry Tulane, qui est d'un de nos meilleurs espoirs du tennis français, eh bien, a battu l'Espagnol Higueras, qui est classé